cette nouvelle vidéo sans aucun contenu, nous allons manger les nouvelles poutines Taco Bell de Otakos. Arnaque ou pas, nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo sans aucun contenu. Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kibiki, votre bœuf préféré Kibiki dehors. Je profite du soleil les gars, j'ai une bonne humeur. Regardez-moi, ça me fait kiffer. Vous savez, votre bœuf préféré, il adore marcher un petit peu. Et je suis parti chercher à pied tout simplement la vidéo d'aujourd'hui. Otakos, ils ont sorti des nouveaux Taco Bell. Franchement les gars, ça a l'air un petit peu bizarre. Otakos, ils nous avaient utilisé pour une pub. Ils nous ont même pas payé. Bande de rats. Non, franchement, ça se fait pas. Non, franchement, les gars, ça se fait pas. En plus, en ce moment, les gars, je fais moins de vues. Hein, vous m'aimez plus. Donc, je vais faire comment? Non, mais les gars, c'est vrai que je vais faire comment? Ces dernières semaines, on va dire, ça fait un petit peu moins de vues que d'habitude. C'est pas grave, les gars. On s'accroche. J'ai connu des périodes beaucoup plus difficiles que ça. Les gars, comme d'habitude, les gars, votre bœuf préféré, on lâchera rien, les gars. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Ah là là, oh non. On en a connu des pires. On en a connu des pires. Ouais, là, il fait chaud, il fait beau. On va perdre un petit peu de poids. On va sécher un petit peu, là, parce que là, on a bien mangé, là, pendant cet hiver. Là, on est vraiment des bœufs. Et on va sécher un petit peu, les gars. Ça va nous faire un peu de bien. Donc, suivez-moi sur Instagram, sur TikTok, etc. pour voir un petit peu mon quotidien. Bon, allez, on marche, on y va et on va tester ces fameux Taco Bell de Otakla. Quitte la zone. Côte d'Azur. Côte d'Azur. Les amis, bon, on a les nouveaux tacos au Taco Bell de Otakla. Irrégulard. Irrégulard. Bien repassé, hein. Coupe droite. T'es mal à taille du bail. Eh, ça a l'air bon. En vrai, les gars, ça a l'air bon. C'est un peu moche. Franchement, les gars, c'est un petit peu petit, je trouve. On a pris tous les parfums. Alors, il y en a une qui est végétarienne, une qui est au bacon et aux onion rings. Bien sûr, c'est halal. On avait testé la dernière fois, on avait bien aimé. Là, ça a l'air d'être totalement différent. Ils ont changé totalement la recette. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner, les gars. On va tout simplement tester ça. La petite sauce là, ça a l'air un peu sympa. Côte d'Azur. Tu penses que ça va être bon ou pas? Je pense que c'est bon. Hein. Vous avez vu, ma mère, elle a poncé la table là, c'est trop moche. Ça pue les oignons. Les gars, je fais des TikTok en même temps. On essaie de se mettre à la page parce que je suis vraiment un boomer, mais il faut que je sois plus sur TikTok. Ah! Ça a l'air dégueu. Non, je crois que ça a l'air bon, ouais. Et celui-là, là, il me fait peur, les gars. C'est quoi ça? On va prendre la petite fourchette et on va goûter. Alors, regardez ça, les gars. C'est celle aux oignons. Donc, on a une petite sauce, des frites, on a du poulet. Oh, le poulet, en plus, il a l'air beau. Ouais. C'est pas le poulet dégueu qu'on a de Otakos. Il y a de la sauce, du bacon et des frites. Et les frites ont l'air différentes. Franchement, les gars, en vrai, ça a l'air appétissant. Pour un truc Otakos, je trouve que ça a l'air appétissant. On se tape ça ou pas? On se tape ça. Tu veux qu'on pèse? On va peser. 540 grammes. Ouais, il y a la boîte et tout. C'est bien chargé en vrai. C'est parti. Allez, hein. Je peux pas tout prendre d'un coup là, ouais. Regardez un petit peu comment ça fait avec les onion rings et les trucs comme ça. Mmh. J'aime pas la sauce. Moi aussi, j'aime pas la sauce. Mais le reste est bon. Le poulet, moi j'aime bien. Le problème, c'est la sauce. Le poulet, ça va. La sauce fromagère, elle a pas un goût très très bon. L'arrière-goût, elle est pas super agréable. Mmh. Et ça se finit vite, les gars. Regardez. J'avais préféré la dernière fois. Ouais. Le poulet, il est bon, mais il est pas épicé. C'est pas ouf, hein. Franchement, sur la sauce, ça va. Par contre, les gros onion rings, c'est joli. Mais à manger, c'est pas agréable. Les onion rings, ils sont pas bons. Hein. Mmh. J'irais pas un peu, très déçu. C'est une sauce algérienne, en fait, qu'ils ont mis. Donc, un peu. Ouais. Normalement, il devrait y avoir du bacon. Il y en a pas. Il y en a pas. Enfin, moi, j'ai plus envie de reprendre, là. En fait, même, regardez le cheddar. Mmh. Je vous montre un petit peu, les gars. Regardez le cheddar, comment il fait. En fait, c'est des toastinettes comme ça de cheddar qui sont mis. Donc, c'est pas super agréable. Hein. Ça fait très bouilli, pâté. Franchement, les gars, c'est vraiment 5 sur 10. Hein. Ça coûte 10 euros, ça. Ouais. C'est pas ouf. Franchement, les gars. C'est meilleur la dernière fois. La dernière fois, c'était meilleur. Et pourtant, le poulet, sincèrement, est super bon. Mais bon, en fait, c'est pas un poulet qui est assaisonné. Franchement, là, j'ai très très faim. Moi, ça me coupe l'appétit. Hein. J'ai pas envie de remanger ça. Ouais, franchement. Ah, celle-là, c'est. Ah, ok. Là, les gars, c'est avec du poulet pané. Poulet pané, sauce fromagère. Ça, c'est bon, normalement. Ça, ça a l'air meilleur. Mmh. Je retape dedans. Moi, le poulet pané, je trouve, il est pas ouf. Ouais, c'est vrai que le poulet pané, il est pas ouf. Mais c'est un peu persillé, en fait. Et moi, je trouve ça bon, les gars. C'est censé croustiller un poulet pané. Et là c'est mou, ouais, c'est mou. C'est tout mou. En fait, le truc, c'est voilà, il change pas la sauce. C'est toujours la même sauce. Le poulet, bah, il est imbibé de toutes les frites et tout. 10 euros pour ça, ça fait cher payer la bouillie. Ouais. Pas d'accord. Il y a quand même des belles trucs. Ouais, il y a beaucoup de poulet. Mais malheureusement, les panés, ils croustillent même pas. On mange que de la sauce. C'est meilleur en tacos, hein. Et c'est moins cher en tacos. Ouais. Même pour goûter comme ça, je pense que c'est pas à conseiller. Bon, j'ai quand même préféré celui-là, moi. Je trouve que celle-là au poulet pané, elle est un peu meilleure. Mais c'est loin d'être bon, sincèrement. C'est nul. On va passer à la troisième, les gars. Mais bon, vous connaissez déjà votre avis, alors. Celle-là, c'est au falafel végétarienne, les gars. Donc, bon. On va tester les refs, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Donc avec des petits morceaux de falafel. Ça s'arrête pas, j'ai peur. J'ai peur. Il y a des légumes, sauce curry par contre. Moi j'aime bien lui. Ah, c'est bon. Carrément, je pense que c'est le meilleur des trois. Eh, celui-là il est bon. C'est le mieux. C'est grave bon.
Ouais, c'est ça qu'il me fallait. Ah non, ça, ça passe de ouf. Et franchement, pour un végétarien, il va kiffer. Petite sauce au curry. Le mélange, il est bon. Et en fait, la sauce romaine, je la sens pas trop. C'est plus une sauce curry. Sincèrement, c'est trop bon. Et même, il y a des... la tomate. Ouais, c'est ça. T'as des petits légumes. Oh non, je suis un bœuf. Le problème, par contre, c'est écœurant. C'est ultra écœurant par contre les gars. La sauce au curry tu manges, il y en a trop. Et au bout d'un moment bah t'as plus du tout faim. Je vais goûter les gars pour donner mon avis. Mais je pense que vous allez voir que c'est, au final c'est vraiment pas c'est pas la grande fête hein. Alors celle là quand tu la goûtes après c'est vraiment pas bon. On a fait du pire au meilleur. Ouais c'est ça, c'est le poulet. C'est la pire elle. Si j'ai un mot à dire, écœurant, cher. Les ingrédients sont vraiment pas fous. La sauce fromagère, ça va dépendre des hauts tacos où vous allez. Si vous êtes dans un tacos qui fait bien les sauces fromagères, ce sera bon, je pense. Et là, c'est un peu catastrophique. Sincèrement, c'est un petit peu catastrophique. Je dirais pas que c'est le pire truc qu'on a mangé de la chaîne. Je pense que c'est la pire nouveauté que hauts tacos ils ont pu mettre. Après, ça dépend peut-être des hauts tacos et des chaînes. Hein. Peut-être, mais celui-là, en tout cas. Ouais, c'était vraiment pas bon. Pas bon. Avant, on avait testé, les gars, c'était super bon. Une bonne sauce fromagère. Il y avait pas trop de frites. Il y avait beaucoup de viande. Plus gros, je crois. C'était beaucoup plus gros. Là, c'est petit, c'est cher, c'est écœurant. C'est tout ce qu'on déteste dans un fast-food, sincèrement les gars. Bon les gars, ce soir on va tester une nouvelle, un nouveau truc qui s'appelle les coquillettes. Ça fait un peu le buzz là, sur internet. En gros c'est des coquillettes en bol comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne les gars. Ça fait dans le même style que au tacos, donc on va tester ça ce soir. On va prendre commande et on va voir un petit peu ce que ça donne. À ce soir, Gianni part à l'intérim là. Allez va bosser là, allez va bien bosser. Allez les gars. Bon les gars, je viens de rentrer du foot. Ouais les gars, j'essaie de faire un peu de foot. Donc bon, je suis nul mais on essaye. Et du coup, petite surprise pour Dylan. Je lui ai acheté son fast-food préféré. Les coquillettes, c'était fermé. Et puis franchement les gars, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Allez, on passe en vue caméra, vous allez voir. Donc bon. Les gars, je suis un menteur. J'ai pas commandé juste parce que c'était trop cher. 10€ pour des coquillettes, pour moi c'est un peu trop cher. Donc voilà. Hein, c'est pas parce que j'avais pas envie de tester, c'est juste que j'avais pas envie de payer. Voilà, c'est bon, c'était la vérité. Ça donnait vraiment pas envie. Hein, vous avez vu le prix et tout ce que j'ai payé. Donc bon, franchement, j'avais pas trop envie. On va faire ça directement. On va se faire plaisir. On va manger notre fast-food préféré. Ils ont sorti des nouveautés. Chicken Village, vous savez à quel point on aime bien parce que c'est un peu indien, poulet épicé, tout ça, on kiffe. Donc il a une grosse journée d'intérêt. Mais on va se faire plaisir les gars dans cette vidéo. De temps en temps aussi, on va se faire plaisir. Est-ce que c'est ça qu'il te fallait? Ah, c'était ça qu'il me fallait. C'était ça qu'il te fallait. Là au tacos, c'était pas bon. Ah ouais, là ça fait vraiment plaisir les gars. Bon, le burger il s'est un peu cassé la tête. Ils ont sorti des nouveaux burgers. C'est des burgers berlinois bizarres. Le gros steak et tout, franchement ça a l'air trop bon. On va se partager tout ça les gars, tous les deux là. Eh j'ai faim. Ça s'est passé comment là, l'intérim? Ah, j'étais vachi hein. Ah ouais? Ouais. Je rangeais des vêtements. Ah bon. T'arrives à plier? Peut-être j'arrive pas. Ah ouais. Il y a une dame. Ah, t'as aidé? Elle m'a montré. Trop gentil? Ouais. Une cliente? Non. Elle m'a montré tac-tac. Après, j'ai enchaîné. Hein. Je me suis pas arrêté, pas de pause. Pas de pause? Pas de pause. 5 heures. T'as plié des vêtements pendant 5 heures? Pendant 5 heures, pas de pause. Pas de musique, rien? Pas le droit. Ah ouais? Mais c'est pas fatigant physiquement. J'en ai déchargé des camions. Ah ouais, hein? C'est pas fatigant ça. On aura beaucoup d'amour à toutes les personnes qui sont à l'intérim. Surtout ceux qui déchargent. C'est compliqué. C'est vrai. On est ensemble. Ah les gars, qu'est-ce que j'aime ce fast food? Ils font toujours des trucs de fou. Avec un poulet tandoori chica, un steak énorme. Et une sauce de fou, alors il s'est un peu cassé la tête. Regardez les gars, c'est un bison futé. Bon, excuse-moi Abdian, mais c'est ça qui me parlait. C'est ça qui me parlait. J'ai trop faim là, je suis parti faire un foot. Dans foot de rue, oh. Je te jure, le truc il était tout en haut d'un gratte-ciel. Eh les gars, on m'a invité faire un five. Regardez la tête du five. Attendez, comment ça, ça c'est un five? Comment ça c'est un five les gars, regardez c'est où. Eh les gars, j'ai peur de ouf. J'avais trop peur, c'est quoi ça? T'as joué contre le requin ou quoi? T'as vu là, j'ai faim, j'ai pas parlé chinois. Le pain il est bon, c'est un potato bun. Il est excellent. Les steaks ils sont énormes. Le poulet chica il a un goût de ouf. Je vous jure les gars, c'est notre fast-food préféré les gars. Notre fast-food préféré. Avec une sauce à l'indienne et du cheddar. Fais-moi un focus. Regardez-moi les gars, c'est dingue. Une sauce au cheddar à l'indienne. C'est oh, tellement pas sec. Oh il est grave bon. Ah non, c'est ça qui me fallait hein. Oh là là. Oh là là, t'as fait le croc. Le meilleur croc, celui du milieu là, avec toute la sauce. Quand tu manges ça, t'es obligé d'être heureux. Ouais. C'est incroyable. J'ai crié là. Dommage. J'ai de. Ah. Dommage, on va déranger des gens sinon. J'aurais hurlé. Le seul souci qu'il y a, c'est que le lendemain, après tu vas aux toilettes et tu fais des ravages. Ah de ouf, tu fais des ravages. Ah ouais, c'est trop bon. Là on se régale. J'avais la flemme de commander des trucs, la coquillette et tout. Je me suis dit vas-y, Dylan il sort d'une journée de travail. J'avais besoin d'un truc réconfortant. Ça c'est mon fast food préféré de loin. Moi à côté là, y a que ça de meilleur. On va passer au wrap. C'est un âne. Et à l'intérieur les gars, y a plein de belles choses. Je veux intérieur. Les gars, on dirait pas.
C'est tellement fondant. Quand tu croques. T'as vu la pub là, Kinder, Kinder, ils fondent dans un nuage. Là c'est pareil. Je fonds là. Non, sincèrement les gars, tellement fondant. Derrière votre écran, on est en train de dire mais c'est les wraps tout secs et tout. Mais non les gars, c'est vraiment une énorme dinguerie. Poulet des jalapenos à l'intérieur, ça pique bien pour bien aller aux toilettes. Ouais. Frappant. C'est vraiment de la frappe atomique. Voilà. La frappe de Chinatown. La frappe du démon. On est en train de tout dégommer. Attends, j'ai dit trop chilienne. Moi j'ai ça aussi hein, depuis que j'ai ton âge. C'est génétique hein. Je pense que c'est parce qu'on a des longues jambes. Ouais c'est vrai qu'on a des longues jambes. Je pense que c'est pour ça. Goto les poulets, c'était nos problèmes tendinaux les gars. Allez. Je pense que c'est génétique hein. Moi j'ai arrêté le basket à cause de ça hein. Et moi le foutu S aussi. Bizarre. C'est bizarre. Chaque fois je mange ces wings, mon instinct se réveille. De ouf. Ces wings là les gars, c'est rempli d'huile, c'est rempli de trucs dégueulasses. Franchement, je le dis sincèrement, c'est le pire truc que tu peux manger. Qu'est-ce que c'est bon. Tout ce qu'il faut pas. Des épices, du poulet recomposé, un truc super gras, huileux. Je sais pas mais, moi je tape ça. Pour m'arrêter, à chaque fois si on me demande un truc que je veux manger, ça. C'est trop bon. J'en peux plus. Moi j'en peux pas plus. Moi j'en peux moi. Je profite de ce timelapse où Dylan il est en train de manger beaucoup pour vous demander dans les commentaires d'écrire PAC dans les commentaires si t'es resté jusque là dans la vidéo. Et puis on va passer au gâteau de la mama. Donc reste bien parce que franchement ça va être pas mal. Les gars regardez les gâteaux de la mama. La mama, la mama. Regardez comment ils ont l'air trop bons. Spécial pour PAC, je sais pas la mis quoi dedans mais ça a l'air trop doux. On va tester ça. Donc je sais pas la mis quoi dedans. La pistache hein, vu que c'est vert. Ouais je pense aussi que c'est de la pistache. Ouais. Regardez, voilà, un petit œuf de Pâques. Bon, on va déballer. Déballer le cadeau. Maman. Ah, donc c'est des muffins. Ok. Vas-y. Bon, je pense que je vais pas aimer. Je pense que c'est notre coco. Voilà, ça va être notre coco et je sais pas quoi. C'est joli, mais encore une fois, ma mère, elle nous force à manger des trucs qu'on aime pas. Et ça sent fort, la noix de coco. On va voir ça. Ouais, c'est notre coco. Ouais. Bon. Exprès à chaque fois. Merde, un peu plus d'exprès. À la fois qu'on a 5 ans, et que nos goûts ils vont changer. Pour quelqu'un qui est fan de notre coco, les gars, il kiffera. C'est la déception. Vas-y. Bon, moi aussi, j'aime pas. Mais tout le monde qui fait notre coco, c'est super bon. D'un coup, comme ça, c'est fini. Parce que franchement, le gâteau est super bon. En fait, c'est comme si vous mangez un gâteau super bon, mais il y a un goût que vous appréciez pas personnellement, mais vous savez que c'est bon, tu vois. C'est juste que c'est à cause de ça. C'est comme ça, les gars, c'est la vie. Bon, notre père, il adore notre coco. Au moins, il se fera plaisir. Petite vidéo chill aujourd'hui, sans prise de tête. On a testé au taco de le Taco Bowl. Franchement, c'était clairement catastrophique. Zéro. Franchement, zéro. Et puis, on s'est fait plaisir. Voilà, petite vidéo, un petit peu chill. Ça fait plaisir de temps en temps, les gars, pas trop se prendre la tête et juste faire sa vidéo tranquillement. Sur ça, les gars, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu, il y en a qu'une chose à vous dire, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez carré solide. Des bisous tout le monde, à mercredi les gars.